éclate. C'est béni le papier, chaque projet enchanté. Pile ou scrap, ensemble on va tout transformer. Salut, on se retrouve pour une vidéo Noël. Encore, on va continuer à utiliser le bloc paver bloc de luxe de chez Action et je vais utiliser ce dice bordure. Donc si vous voulez retrouver ce dice, il est sur le site de chez Coco Rosa Studio. Ensuite, du coup, je vais prendre ce fond de carte et je vais le couper avec ce dice bordure. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne l'ai pas testé, on va voir. Donc je sors mes plaques, hop, je sors ma machine. Je vais positionner la fin de carte comme ceci. Je vais mettre mon dice comme cela, ici, à ras de la pliure. C'est comme si déjà, elle est déjà à la bonne taille. J'ai pas envie de recouper une feuille, pour être honnête. Par contre, j'aimerais bien que ça reste bon. Il faudrait peut-être que j'y mette un morceau de washi. Alors, je vais utiliser celui-là de chez Action. C'est le washi, vous savez, pour les peintures. Hein. Par contre, il faut que j'enlève un peu de colle parce que sinon, ça va trop coller ma matrice et du coup, ça risque de m'arracher mon papier. Donc, pour enlever un peu de colle, vous le mettez sur vos fringues. Alors, c'est pas très recommandé, mais on s'en fiche. Enfin, c'est pas très recommandé. Ça vous fait pas de traces sur vos fringues. Donc, c'est principal. Hop, on met ça. Et voilà. Oui, parce qu'il faut enlever un peu de colle parce que sinon ça va arracher votre papier. Alors, on le passe dans la machine. Je ne sais pas la découpe, ce qu'elle va donner. On va voir. On va voir. Hein. Alors là, ça va être une carte vite faite. Hein, en fait, au final, parce que du coup, c'est la découpe qui va faire la déco de ma carte. Voilà, j'ai bien envie de le repasser encore une fois pour insister sur les petits détails. Déjà, vous voyez, j'ai bien enlevé le morceau de bordure. Hop. Et hop, là, on est plutôt pas mal. Donc, le dice bordure, c'est plutôt sympathique. Ça ne l'a pas enlevé ce morceau? Ben non. C'est normal apparemment. Donc on va l'enlever. On va enlever le scotch. Hop, vous allez doucement pour ne pas arracher votre fond de carte. Hop. Normalement, il me faut une mousse pour ça. Mais voilà. Vous voyez, le rendu est plutôt sympathique. Non. Ça, je l'ai eu sur Temu, hein, ce truc qui est voilà, pas trop cher, qui sert énormément, qui est très utile pour enlever les petits points de déco qui n'ont pas été enlevés. C'est plutôt bien et super pratique. Alors, vous avez la brosse et pour prendre un tapis mousse en dessous que je dois avoir quelque part, mais je vous le dis, j'ai changé d'endroit. Là, le temps que je prenne mes marques dans la scrap room, ben, il faut un moment quand même, hein. Je veux dire, moi je m'habitue pas aux choses tout de suite. Voilà. Voilà. Oh, c'est trop.
trop beau. La découpe est magnifique. Et elle découpe bien par les petits bouts, là où vous êtes obligé de passer un petit coup de pic. Sinon, franchement, au final, elle a super bien découpé. C'est vraiment très beau. Alors, ça, c'est good. Je vais ramasser. Je suis navrée. Je vais le ménage tout de suite, sinon j'en mets partout. Et honnêtement, je n'ai pas envie de pas aller dire le scamp room. Ni de passer l'inspiro pour le moment. Ensuite. Vous voyez, soit ça. Ça, ça pourrait être pas mal, mais c'est trop petit. Ça, c'est trop fleuri, donc ça ressort pas. Donc, on va regarder s'il y a un autre papier qu'on pourrait prendre. De façon à... que ça se voit en fait, hein, tout simplement. Ah, non, trop foncé. Je sais ce que je vais faire. Je vais reprendre le Dyson. Je vais reprendre le Days parce que du coup ça me plaît pas, c'est trop, ça va pas. Ça c'est trop clair par rapport au papier que je voudrais utiliser parce que j'aurais aimé utiliser celui-là, je suis honnête. Pour le finir, hein, faut pas être bête, je veux dire autant utiliser les papiers qui sont déjà entamés quoi. Donc du coup, bougez pas, je reviens. Du coup, j'ai été rechercher les papiers de Steph parce que son verre, le verre qu'elle m'a fourni, il est juste trop parfait pour ça en fait. Vous voyez, regardez. Hop. Mais j'ai recoupé le sapin. Voilà. Donc, on va couper 14,5. Voilà. Je vais couper le sapin de nouveau, comme ça, vous voyez, parfait. On va mettre le scotch couchant. Voilà, on va ressortir la machine. Et là, on va ressortir les plaques et on va recouper le sapin. Je sais, je m'embrouille, mais en fait, ça me plaît, ça va me plaire, je pense. Je pense. Et hop, on repasse une deuxième fouille pour être sûr. Et une troisième fois. Et une dernière fois. Ah, ok.
Christophe coupe toujours du papier. Vous voyez, j'aurais presque pu faire un montage comme ceci. Ça me plaît bien aussi, en fait. Vous voyez, si je pouvais coller ça sur la carte. Regardez, si on le met comme ça. Encore faudrait-il que ce soit droit. Mais il y a de l'idée, donc on en fera une comme ça. Là, ça, je le garde pour le moment. Du coup, on va enlever le surplus. Qu'est-ce qu'elle est belle cette découpe quand même. Franchement, c'est beau, hein. Parce que je voudrais utiliser le papier de chez Action pour mettre en dessous, comme prévu. Et la prochaine fois, on fera certainement un truc. Vous voyez comment je fais, passe ma roulette sur la découpe. Et regardez. Franchement, c'est parfait. Hein. À part un petit truc là qui est resté parce que voilà, c'est mal coupé. Mais honnêtement, c'est trop bien. Regardez, ça m'a viré tout. J'en ai un petit peu partout. Mais il suffit de regrouper les morceaux. Éviter d'en mettre dans les tiroirs parce que sinon, ça va rester dans les tiroirs pendant 30 ans. Dans 30 ans, je retrouverai. Je vous jure. Hop, 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 hop. Je fais le mélange. Mais si je ne fais pas, personne ne va le faire à ma place. Hein. Là, pour le coup, je suis pas sûre que Christophe va vouloir nettoyer notre apprendre. Je pense que le pauvre, je lui en demande déjà beaucoup. Alors, du coup, vous allez venir recoller votre découpe. Donc, vous prenez la découpe bordure que vous avez à la maison. Moi, je vais venir recoller, recouper ça comme ça. Voyez ? Nickel, hein ? Et après, je vais couper parce qu'il va dépasser. Je vais tout recouper pour que ça fasse propre. Voyez ? Là, ici, et ça va être nickel. Donc, on va coller ça. Alors, pour bien qu'il y ait de colle partout, maintenant, je fais autrement. Ce que je fais, c'est que je prends une feuille de brouillon. À moins que j'aille mon tapis. Oui, à moins que si j'ai mon tapis. Non, j'ai pas mon tapis de caoutchouc quelque part là. Non, je l'ai pas. Sinon, la dernière fois, j'avais pris mon tapis en caoutchouc pour mettre de la colle. Mais là, manifestement, je l'ai pas. J'ai été chercher dans mes chutes du papier. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur la feuille complète, comme ça, enfin complète. Vous avez compris. Voilà. Et après, ce que je fais, c'est que je prends ma découpe et je viens la poser dessus. Avec une pince. Venez la mettre. De toute façon, avoir de la colle de partout. Et ça, je fais ça depuis que je fais mes lanternes. Et honnêtement, il y a de la colle partout. Et ça, c'est trop bien. Et en prenant une pince, ça vous permet de ne pas avoir de colle partout sur vos doigts. Voilà. Et ça évite d'en mettre partout. Donc ça, votre brouillon, vous le mettez de côté. Vous reprenez votre carte et vous venez positionner votre découpe.
correctement. Et là, vous êtes bien. Même s'il y a un petit décalage, j'ai envie de dire que ça rend plutôt bien. Voilà, regardez. On est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper tout ce qui découpe. Tout ce qui dépasse. Hop, on va mettre la règle. On va prendre le cut-cut, si je le retrouve. Mon cutter. Voilà, on est plutôt bien. Hein. Même avec le décalage, je trouve que ça rend trop bien. Et ensuite, vous allez venir... Je trouve que ça fait... Je sais pas comment expliquer. Mais on va faire ça. Si, on va faire ça. Et du coup, je vais reprendre mon brouillon. Je vais couper un morceau de 10,5 par 15. Et on va venir coller ça comme ceci. Du coup, par contre, ce que je regrette, c'est que ça ne fait pas ressortir ça. Et si je mettais du plus clair... Ah ouais, on est d'accord. Hein. Bon allez, on prend ça. Ça, on s'en servira pour une autre carte. 10,5 par 15. Je veux savoir ce que c'est signé, hein. Et dire quand ça va pas, hein. Ça c'est trop, c'était trop, il y avait trop de motifs pour cette carte. Donc du coup on va venir mettre celui-ci ici. Regardez, c'est quand même plus joli. C'est tout de suite le rendu est tout de suite plus sympa. On est d'accord, hein. Ok. On va venir mettre de la colle sur la découpe. Donc je reprends mon brouillon. Et je viens positionner, on le plie comme ça c'est évite d'en mettre sur l'autre partie, puisqu'on ne veut pas qu'il y en ait sur l'autre partie, on veut vraiment qu'il y en ait que sur la partie marron. Hein. On va remettre, parce que c'est déjà sec, il fait très chaud. Il fait super chaud, je comprends pas. Je comprends pas que le 20 et quelques octobre, il fasse aussi chaud. Après, on va pas se plaindre, on n'a pas allumé les radiateurs, mais quand même chelou. Hein. Faut l'avouer que c'est quand même bizarre. Là, c'est pas droit de ce côté-là. Ah, j'aime bien le rendu, j'aime beaucoup le rendu. Alors ensuite on va trouver des strass.
voyez, ça permet d'utiliser plusieurs matériels de marques différentes, mais le rendu au final est plutôt sympa, quoi. Donc, ben pourquoi pas, quoi. Why not? Hop, on va mettre une jaune. Je mets pas assez de colle, je crois. Mais j'ai tellement peur que ça déborde que je veux pas en mettre de trop non plus. J'attends une copine là, qui doit venir chercher. J'ai fait une lanterne pour Halloween pour son petit-fils. Et du coup, elle doit passer tout à l'heure. Alors, mais comme je sais pas. Allez. Ah, 17h15. Ah, quand même. Ah, ça passe quand même la journée là. Ouais, bah ouais, ça passe plutôt vite même. J'ai mis de la colle là. Hop. Ah, bah là, voilà. Je m'y pose. Je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Recoucou, désolée. Du coup, c'est ma copine qui est venue chercher la lanterne pour son petit-fils. Hein, c'est ce que je vous disais. Puis le poil, j'en parlais. Puis le poil, elle est arrivée. Du coup, j'ai mes points de colle là, mais il y a rien de collé dessus. Donc, je vais remettre de la colle. Et puis, je vais recoller mes petits strass pour faire des petites bouboules du sapin de Noël. Du coup, ça s'est bouché. Donc, on va remettre l'aiguille. Hop. Et on va remettre de la colle. Là où j'en avais mis. Et peut-être même plus d'ailleurs, parce que du coup, je vois où j'en avais mis. Voilà. On va remettre une petite rouge ici. Ah, flûte de cacahuète. Hein. En fait, c'est bien ce truc-là, mais ça colle trop. Après, j'ai mon truc. J'ai le vent qui grognoute. Et là. Il est vide, je crois. J'en ai un autre, il faudrait que je le change. Alors... on va essayer de trouver une jaune. Ouais. Hop. Hop. Allez. Je suis sympa. Hop. Il n'y a pas d'argenté, hein. Il n'y a que des jaunes et des rouges. Parce que j'ai pas spécialement envie de mettre que des rouges et des jaunes, mais j'ai pas d'argenté dans cela. Oui, c'est pas mal, hein. Est-ce que j'ai des argentés quelque part? Je cherche, hein. En forme de cœur, c'est pas terrible. Et ça, c'est trop petit. J'en ai d'autres des strass, mais je sais pas où je les ai rangés. Il va falloir que je les retrouve. Les bleus, mais les bleus, ça va jurer. Ça, c'est des rouges encore. Ouais. Je sais même plus où j'avais eu ces strass. Bon, ben, on va laisser ça comme ça. J'ai rajouté celle-là uniquement. Parce qu'elle est sortie. Hop. Et puis, ben, je vais prendre... J'ai pas une étoile, là. Non. Non, 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 non. Mais j'ai ça. Je vais mettre celle-là. Non, c'est une fleur. C'est pas une étoile, donc je vais pas la mettre. Bon, on va laisser ça comme ça. Ça me plaît bien. Voilà. On va faire une étiquette. Alors, je m'étais préparé un truc. Je ne sais pas. Super, Rachel, encore, tête en l'air. Ça, je vais le ranger dans sa pochette. Hop là.
Ok, j'en ai pas un autre à ranger de Dice tout de suite. Non, il est là. Ah, mais regardez, je sais ce que je vais mettre. Je vais en avoir des entamés quelque part. Yes. Ça va casser un peu ce jaune et ce rouge. Mais oui, je suis bête. Je peux mettre ça. Faut l'habiller notre sapin, n'est-ce pas? C'est pas mal de l'habiller le sapin. Bon, ça c'est pas mal, on arrête là. Ensuite, je vais faire une étiquette. Je suis en train de me demander si je vais faire une étiquette Est-ce que j'ai pas une chute de papier craft? Je reviens. C'est bon. Je vais prendre. J'ai tout tombé. Normal. Je prends ma verre fine. Je prends mon tampon. Livraison du pôle Nord. Donc ça c'est un tampon que j'avais eu chez Stampin' Up. Mais vous prenez le tampon de Noël que vous avez. Hop, on tamponne. On va attendre un petit peu. Que ça sèche, je nettoie mon tampon. Après, je referme tout de suite la verre saphine. Je le mets à sa place. Parce que sinon, je vais encore la chercher pendant 3 jours. Je sais comment je suis. Je me connais trop. Trop bien, d'ailleurs. Par un moment, je me dis que je me connais trop bien. Hop, livraison du pôle Nord. Nickel. Et du coup, ça fait combien ça? On va prendre 2. 2 sur 7. Hop. C'est pas droit du tout, hein, mon histoire. 2 sur 7. Hop. C'est encore une carte de Noël. À la fois, elle est différente, toujours avec le même bloc, avec un dice particulier. Et vous voyez, ça rend trop bien. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Hein. Donc, on va mettre de la colle. Alors, je sais pas, je pense pas refaire de vidéo dans la journée parce que. Enfin, ce soir, parce que ben, il est déjà 18h30. Dans le petit quart d'heure, c'est mes séries. Après, je vais regarder certainement Incroyable Talent parce que j'aime bien. Puis comme ça reprend de ce soir, je vais en profiter. Hein. En plus, je suis en vacances, donc même si je me couche un petit peu tard, c'est pas gênant. On va mettre ça ici. Ouais, sur l'étoile, c'est un peu chiant. Ouais, ouf. On va le mettre. Ouais, si, on va le mettre là. Ça ici. Voilà. Et puis, on va venir coller livraison du pôle Nord par-dessus. Et vous allez voir, ça va rendre trop bien. Avec les petits cadeaux, là. C'est super sympa. Oh, à l'envers. Non. Pas à l'envers, madame. Pas à l'envers. Voilà. Vous voyez? Et non, là, encore une de faite. Donc, on en est déjà à la 3e ou 4e carte. Donc c'est plutôt cool, je dis qu'on avance bien moi sur les cartes de Noël. Ça je vais les remettre à sa place. Ça aussi. Ça et ça, c'est des chutes que je ne jette pas. Parce que je pourrais refaire une carte. Ça, ben, je l'avais gardé, je l'ai laissé là. La pique. Hein. La pique. La pique que je vais ranger à sa place avec ça. Hop. Hop. Ça, ça va sur le touche-à-tout, le cutter. J'essaie de ranger à fur et à mesure, c'est pour retrouver facilement, parce que sinon, ben, vous voyez, je tape en l'air, je ne retrouve plus rien. Et ben, c'est un peu la galère, en fait. Du coup, voilà. Du coup, regardez.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt fan, donc vous le voyez comme ça. Vous pouvez même me venir tamponner un sentiment ici. La livraison du pôle Nord, par exemple, j'aurais pu le mettre à l'intérieur. Ici, ça aurait fait bien aussi. Vous voyez? Bah moi je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire également. Et puis voilà, bah, puis on se retrouve pour un prochain tuto demain. Ou un partenariat. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre celle-ci, mais il y a le partenariat de Steph qui arrive. Et du coup, voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.